Je m'appelle Jean-Luc Muscat, j'ai joué au Racing de 1982 à 1985 et je jouais pilier. Le biais, c'est que j'étais depuis un an, j'étais déjà à Paris, j'étais professeur stagiaire et je continuais à jouer ici, là, à Saint-Jean-de-Luz, mais bon, j'étais fatigué des navettes, quoi. Et comme je savais que j'allais pas redescendre d'aussitôt, bon, je me suis dit, bon, autant les jouer au rugby dans un club parisien, quoi. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas autant d'entraînement que maintenant. On s'entraînait deux fois par semaine. Et on s'entraînait, je crois, le mercredi soir et le vendredi soir, je crois. Donc moi, je travaillais sur Paris même, donc j'avais pas trop de difficultés à la Colombe. J'y allais en voiture le plus souvent. Puis comme on finissait tard les entraînements, bon, le trajet retour était assez rapide, quoi. Ah, c'est pas du tout pareil. On change de monde. C'est un club... Je ne sais pas comment le qualifier, c'est un club classe, quoi. Enfin, voilà, on est très bien accueillis, on est pris en charge. Les joueurs sont très, très accueillants. Comment dire, il y a une autre façon de... Une façon un peu plus, je ne veux pas être péjoratif par rapport à ici, mais plus éduqué d'accueillir les gens, quoi, voilà. Ici, on est un peu plus sauvage. Par exemple, en rentrant dans les vestiaires avant tous les entraînements, on se serre la main, quoi. C'était, moi, c'est quand je suis arrivé là-bas, ça m'a surpris parce que ici, quand on allait aux entraînements, c'était le grand yep, et puis on se changeait là-bas. Bon, c'était la cérémonie de serrage de main, quoi, et à tout le monde. Et, nous, c'était le terrain. Hein. Bon, on faisait un peu de préparation physique, bon, et ensuite, bon, on faisait de la technique. Et puis, bon, le mercredi, c'était traditionnellement, il y avait un match. Avec opposition, on jouait bon, National B contre première. Puis c'était assez engagé, quoi. Hein. Ça durait pas longtemps, hein. Ça durait peut-être 20 minutes, mais bon, ça fait l'entraînement du mercredi finissait par ça, quoi. Hein. Non, maintenant c'est beaucoup plus physique. Hein. Engagé, je veux dire, on se faisait pas de cadeaux, quoi. Hein. Quand on jouait un peu première contre National B, là, il y avait évidemment des joueurs qui voulaient gagner leur place. Bon, moi je trouve que c'était chaleureux. Hein. Bon, il y avait de la compétition entre joueurs, mais bon, c'était dans un bon esprit. Hein. On ne se faisait pas de crasse. On respectait les choix des entraîneurs. Évidemment, quand on ne jouait pas, on n'était pas content de ne pas jouer, mais bon. Voilà, bon. Puis on s'entendait bien avec les... Moi, je sais qu'avec les gars de première ligne, là, avec qui j'étais en concurrence, je m'entendais très bien, quoi. On était très copains. Hein. Moi, j'ai connu Jacques Huyot la première année. Après, il n'y a pas tout qui est arrivé. Et c'est lui aussi qui a pris un peu en charge les entraînements, quoi. Surtout des avant. Hein. Bon. Il a commencé à s'occuper de nous, quoi, après. La plupart du temps, on jouait à Jean Bouin. Pas le Jean Bouin de maintenant. Hein. Bon, il était un peu vétuste comme stade. Et puis la pelouse n'était pas très... comment dire, c'était, quand il y avait du mauvais temps, le terrain était très, très gras. Donc le Racing ne pouvait pas mettre en place son jeu. Moi, je suis arrivé, c'était la naissance du groupe là, qui a été finaliste en 87 là, et champion de France en 90. Moi, j'étais un peu plus âgé que ce groupe-là, là, mais c'est la naissance du showbiz moi, auquel j'ai assisté. Donc, le jeu était prôné sur l'attaque, quoi, faire beaucoup, hein, se faire plaisir avant tout quoi, sur le terrain. Hein. Ça ne réussissait pas tout le temps, parce que bon, il y avait des matchs où... Et bon, moi, j'ai, comment dire... C'était un jeu qui me plaisait, quoi. Hein. J'étais bien dans mes baskets, moi, là-bas. J'aimais bien ce jeu. Ouais, de l'improvisation, mais il y avait quand même des stratégies qui étaient mises en place par les entraîneurs. Et bon. Bon, on était un peu le club, je l'ai dit tout à l'heure, un peu classe, là, parce qu'on était tout le temps en blazer, quoi. On avait le blazer du club. Donc, on était regardé, quoi, quand on arrivait dans les clubs de province, ouais. Bon, pour moi, tous les matchs étaient durs, donc. Peut-être à Toulouse, c'était plaisant, parce que c'était à l'époque où j'y étais, moi, on avait le stade toulousain, je crois, la première année où j'y étais dans la poule, là, c'était relativement plaisant d'aller jouer là-bas, quoi, parce que c'est quand même une grande place du rugby, quoi, français, donc, avec un public de connaisseurs, tout ça. Et bon, enfin, on avait pris une volée là-bas, hein, je me rappelle, mais bon, le public était content quoi, quand on y avait été.
Le challenge, c'était une compétition organisée par le Racing. La tradition, c'était que un ou deux joueurs accueillent l'équipe adverse. Et le midi, le repas d'avant-match, on mangeait tous ensemble. Mais il y avait des joueurs qui étaient désignés pour aller accueillir l'équipe adverse, soit à la gare, soit à l'aéroport, soit à leur hôtel. Et puis ensuite, bon, les accompagner jusqu'à l'endroit, je crois qu'on mangeait à la rue Eblé ou à d'autres endroits, ça dépendait. Bon. Mais même à l'extérieur, les équipes mangeaient ensemble aussi. Hein. Voilà, je suis revenu ici. J'ai quitté le Racing en début de saison 85-86 et j'ai terminé la saison ici. Puis après, j'ai continué à jouer, mais je ne voulais pas jouer. J'avais la flemme de m'entraîner, quoi. Donc je jouais un peu en réserve et puis en National B. Quoi. Puis après, j'ai entraîné une petite équipe ici là, à Urugne. Là, voilà, je me suis occupé d'Urugne. Il y avait évidemment la petite auberge. Mais c'était un restaurant où on avait des repas qui nous étaient offerts par le Racing. C'était une tradition, mais ça existait avant que j'y arrive, moi. Hein. Et donc, à l'époque, c'était Guy Lorlas qui tenait ce restaurant. Donc, on avait droit à un certain nombre de repas mensuels. Je sais pas, c'était à peu près 4 repas par semaine, je crois. Donc, bon, une vingtaine. Donc, on était nourris pratiquement hein, par le Racing à l'époque. Et c'était un lieu de rendez-vous pour nous. Là, on se retrouvait entre équipiers premiers, équipiers de National B, on formait des tables. Puis ce qu'il y avait de sympa, c'est qu'on se préparait nous-mêmes nos entrées là-bas. Un peu les piliers du restaurant là. On avait accès à la cuisine quoi, pour préparer. Enfin, c'était un petit restaurant de quartier, mais bon. Ça, c'est des bons souvenirs parce que bon, il y avait des grandes tablées là où ça rigolait, ça plaisantait, bon, ça chambrait un peu. Et, chose que je n'ai pas connue moi quand j'étais ici ou quand je suis revenu ici. Quoi. Bon. Le Racing moi, m'a hébergé les premiers temps où j'étais là-bas, puis après ils m'ont trouvé un appartement et puis ils me payaient mon loyer. Quoi, voilà. Puis on était défrayés pour nos frais d'essence pour aller aux entraînements. Ça fait, sur Paris, ça fait pas mal d'économies quand même. Mais... Je regarde le top 14 et puis l'équipe de France. Je ne suis pas un téléspectateur assidu. Quoi. Moi j'aime bien Toulon, j'aime bien Clermont, bon, Bayonne parce que c'est l'équipe locale, La Rochelle aussi, bon, toutes les équipes en fait, qui produisent un peu de jeu, ou qui ont un style un peu. Comment dire, un style qui fait par les deux. Non. Non mais ça a changé quoi. Bon. Non mais c'est vrai que le Racing est un jeu plaisant. Mais... Et c'est l'engagement physique qui a changé, puis le gabarit des joueurs quand même. Bon, moi, souvent en discutant avec les copains, moi je me demande à quel poste je jouerai maintenant. Quoi, parce qu'il me manque 20 kilos quoi, pour jouer. Je jouais pilier, maintenant il me manque 20 kilos quoi, pour jouer pilier. Moi, j'avoue franchement que personnellement, si j'avais eu le gabarit pour jouer maintenant, ça m'aurait plu. Parce que, les avances sont davantage mis à contribution. Moi, j'étais plutôt un joueur de ballon qu'un joueur. Bon, je faisais le travail qu'il fallait, mais j'aimais bien toucher le ballon aussi. Donc, j'aurais préféré jouer maintenant. Hein. Pour un avant, c'est normal de dire ça. Quoi, hein. Je sais que j'ai des copains qui jouent derrière qui ne sont pas du tout de cet avis, mais moi, j'aurais bien aimé avoir quelques années de moins pour pouvoir pratiquer sur le rugby actuel. Quoi, voilà. Bon, il y a les fondamentaux qui sont pareils quand même, mais bon, la mêlée, la touche. Bon, même si la technique a évolué, bon, on retrouve quand même le même engagement, la même épreuve aussi. Hein. C'est-à-dire, bon, devant beaucoup de solidarité, s'il n'y en a pas, mais ça ne marche pas. Bon, c'est devenu plus technique par contre. Voilà, le rugby de maintenant nécessite davantage de technicité de la part des joueurs. Pour la conservation du ballon, pour la libération des ballons, tout ça. Donc, puis ça va plus vite aussi. Hein, bon. Moi, bon, évidemment, j'ai joué à l'époque où il y avait Rive Paparamor, depuis il y avait la naissance du groupe là, du showbiz. Là, bon, moi, j'ai trouvé Jean-Baptiste Lafont assez impressionnant quand même. Je l'ai connu tout jeune, là, il sortait de junior, il était déjà largement au-dessus des autres, quoi. Hein. Quand à l'entraînement, là, ces fameux matchs avec opposition, là, bon. Puis après, bon, Jean-Pierre Rive m'a impressionné aussi par son engagement sur le terrain, quoi. Bon, y en a un qui me plaît beaucoup, c'est comment il s'appelle, c'est le. Ah.
rassurant, voilà, pour son côté rassurant, quand on joue avec lui, on sait qu'il va y avoir de l'engagement et puis qu'on va être comment dire, bien poussé, bien protégé, c'est ouais, Bernard Leroux. Hein. Je t'avoue que j'ai eu un peu la nostalgie quand je suis redescendu. Bon, c'était pour des raisons professionnelles, évidemment. J'avais une mutation ici, mais j'ai mis un peu de temps. Je me demande même si j'ai pas arrêté de jouer à cause de ça, quoi, parce que je ressens, j'avais plus la même motivation pour jouer. Quoi, enfin, moi, d'une façon globale, je garde un très bon souvenir de mon passage au Racing.